Là, bien commune quoi des bouquets dernier temps yo qui gagne pile projecteur l'image sous lit par rapport avec façon nek be groupe armé 400 en Marouzo yo même y a opéré en bas ça et dernier temps yo yo a bay problème sérieusement. J'en te dis là, gagne un policier Paulas Jean Benson, qui est même gagne deux petites, qui fait partie 28e promotion de la police, tant que bandit est kidnappé lundi, qui était 20 septembre, après-midi, dans la commune Croix des Bouquets. Donc, on est commune Croix des Bouquets, c'est une collectivité qui est trouvée dans le département de l'Ouest Périan, selon information. Mais, selon madame et policier ça qui c'est n'a parlé de Paulas Jean Benson madame ni qui accusé monsieur 400 Marouzo yo il fait connait qui a opéré dans commune et c'est au même qui t'a enlevé et Marie-Li qui lundi après-midi qui était 20 septembre non il fait connait là selon information que madame il fait connait que monsieur kidnappé et madame Marie-Li dans zone Duval yo c'est là nèg yo posé la patte sous Marie-Li Paulas policier ça Paulas Jean Benson qui t'a fait partie 28e promotion qui fait partie 28e promotion de la police non et il y a deux petites ensemble avec lui et n'a pas rappelé que question kidnapping dans dernier temps ça qui a rage en de pays et la police qui dernier temps ça a plusieurs policiers qui a victime ça qui a kidnapping après ben avant même pour la Jean Benson qui était kidnappé qui est 400 Marouzo selon madame pour la Jean Benson accusé kidnappé lundi qui était 20 septembre non bien n'a pas rappelé que gagné policier Wilnor Lévy qui lui-même qui fait partie USGPN que bandit est kidnappé depuis la fois dernière dans niveau Matissan jusqu'à présent pour des nouvelles pour connaître est-ce que Wilnor lui-même les jeunes libération li et nous sommes la fois dernière t'es information ça concernant ça kidnapping ça qui fait ce policier Wilnor lui agent USGPN dans niveau Matissan que bandit est kidnappé mais pendant lundi avant-hier la veillance policier Paulas Jean Benson 28e promotion de la police que l'IT fait pas bon il fait partie unité polyfront police frontalière c'est lui-même que bandit et kidnappé que madame ni accusé 400 Marouzo dans ça qui rivière dans ça kidnapping ça n'a toujours été dans commune quoi des bouquets puisque hier lundi puis mardi à tout situation était très compliquée côté en pile monde t'attendait en pile coup de balle qui t'a chanté hier journée mardi 21 septembre non en pile coup de balle automatique t'a chanté dans diverses zones en de commune quoi des bouquets précisément dans un côté que les quartiers Kafou Michou grand pile machine qui passait en bas gros flamme diffé d'après information que nous-mêmes nous joignons dans salle nouvelle radio méga il parlait de quatre machines qui taboulé complètement sur national numéro 8 non dans zone Kafou Michou moun nan zone nan yo encore longe douette sous monsieur 400 Marouzo yo dit ki ta derrière zaksa machine si la yo ki boule n'a fait konnen que pendant tout hier mardi an activité était presque pas réalisé nan commune Croix des Bouquets n'a ken que porte OAVC était sur que ça OAVC te bien annexe OAVC qui les même trouvé dans Croix des Bouquets était fermé en pile porte l'école te obligé et fermé et grand pile dans l'école te qui te obligé libérer timoun yo bonnet pour que yo pas sorti et victime n'a pas appelé que la mon qui lui-même c'est chef gang 400 Marouzo nous songe avant-hier il était intimé là pour te dire lundi qui était 20 septembre là pour aucun monde pas mettre point pied yo dans commune Croix des Bouquets après que opération la police a mené et bien il trouvait que c'est un dérespectant hein, c'est vraiment là yo incité yo et c'est peut-être ça il dit quelque soit monde qui était fréquenté Croix des Bouquets et mais ça t'a vu c'est pas bon en tout cas autorité policière yo à côté judiciaire yo même gouvernement CSPN non annoncé là yo mobilisé yo pas quitter yo pas bail vague avec bandi cap fait la loi dans diverses localités 5h45. Un dossier déportation compatriote haïtien malgré réaction États-Unis considérable déporté haïtien contrairement à l'autre Jouyo Ayema dit c'est 4 avions qui débarquaient plusieurs centaines haïtiens à l'aéroport Saint-Louvertia c'est avec chagrin tristesse compatriote considérable débarqué dans Port-au-Prince situation ça levé plume sous dos divers secteurs dans pays d'Haïti ancien président commission affaires étrangères Anan Chambasla belle décolline parler de illégalité déportation ça yo reportage Jean-Philippe Massir. Mais si tu avais fait 3 mois depuis que j'étais chez lui, je prends route là. Difficulté, nous perdons dans route. Je viole tout le monde, 13 ans pour route là, ça m'a fait chance pour moi, je ne pas violer. Je vous dis, je vais me ça s'écrit compatriotes nous qui continuent à débarquer dans l'aéroport Toussaint-Louverture. Majorité là-dedans, yo t'a vive dans le pays Chili à Brésil. Prend route là, à qui soit à privé car tonton Sam, côté espérer la vie pour le bourgeonnet. Après plus passer des mois dans route, rivé États-Unis, c'était bien compté mal calculé.
yo pimpé yo sous bout terre papa des salines nan yo fait nous connecter c'est quand l'on fin dans prison yo pral mettre au caillon père et puis pour parler avec famille pour acheter billet pour pour aller côté parler là yo fait nous connecter c'est quand père pral mener nous dans nuit là c'est plus que 50 familles c'est monde qui fait Chili c'est monde qui fait Brésil yo prend nous yo mettre nous dans airport yo vinn mettre nous Haïti là majorité na haïtien ça yo t'ai commencé ka manger côté yo t'a vivre là nan chercher puis bon la vie mais plutôt c'est détruit ou détruit vendre tout ça ou t'ai gagné mais hélas c'était en vain son coup de couteau me prend me senti que tout vie me fini men t'ai gagné compte à on presque acheter ca mon chili me craser pour mal dans pays comme ça après ça me fin craser tout 4 mois net carnet banque me craser parce que un moment la garder dans situation là. Est-ce que ma jambe vivre encore jambe te vivre là à côté si là yo qui déjà arrivé pas bon ici c'est là tout qui dans prison capitaine en avion États-Unis des plusieurs milliers qui trouvé au sous frontière Mexique là capitaine pour rentrer États-Unis. C'est sur tout internet là en pile monde t'a vivre façon policier sous cheval li ak croisé nan mail a courir des frein accès yo yon image qui choquait le monde entier. Pas besoin de dire ou pas bon ici. C'est une image qui attriste nous comme haïtiens. On croit que les haïtiens qui dignes de ce nom pas capable pas révolter lorsque n'a pas observé dans qui état, dans qui situation infrahumaine que de compatriotes haïtiens y ont retrouvé sous frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est vrai, États-Unis grand monde tête li qui donc li gen droit pour déporter moun nivelé. Cependant, li doit respecter droit moun yo tout. Ancien député Abel Nicoline kwè série déportation sa yo violer toute convention internationale yo. Tout laisse à croire que moun sa yo yo rivé pas même gagné aux procédures célères qui mettait sous pied pour ta traiter dossier yo. Si yo mandé asile politique, nous constater c'est tout simplement une décision yo prend pour refouler yo, chercher avion, voyer au vini, sans que pas gagner véritablement des institutions qui traitent de questions ça aux États-Unis, qui prend le temps, même lorsque c'est en procédure célèbre, je vous dis déjà. Ancien président affaires étrangères, Chambas, l'a critiqué silence complice. Nations Unies dans dossier Sahara alors que yo sous des pieds militaires dans dossier Afghanistan. En tout cas, à travers les Nations Unies, gagnait le Haut Commissariat des réfugiés, mais le Haut Commissariat des réfugiés qui lui-même très actif justement dans surveiller et comment dossier afghan sayo qui quittait l'Afghanistan et qui allait dans l'autre pays, comment y a traité yo, comment y a procédé droit. Eh ben nous ouais, le Haut Commissariat des Nations Unies est très actif adapte dans ça qui a passé haïtien là, nous pouvons chanter qui ça ACR dit le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il n'y a pas un secret pour personne, autorité pas bon ici, tu n'as pas une force pour faire bataille diplomatique ça. Toutefois, ancien président Commission Affaires étrangères a proposé États-Unis utiliser formule ça, pays européen qu'on utilise. Pour migrants africains à Moyen-Orient. Je crois que les États-Unis, le Canada, pour me citer deux ça seulement, depuis toujours, je dis que ces pays amis, pays d'Haïti, en guise de proposition par rapport à faux migrants haïtiens, nous-mêmes, nous fait appel avec les Américains, avec des pays comme le Canada. Pendant l'avion américain continue à déporter au Pabo ici, il y a 20 000 qui déjà sous route qui trouvaient dans le pays Colombie, 3 000 autres dans le pays Pérou, 1 500 sous route Panama. Tout traité avec espoir, il a privé Mexique pour entrer aux États-Unis. Même ça qui arrivait déjà, il a persuadé, il a retourné dans le pays Chili. Pour eux, vivre en Haïti, presque impossible. Mon cher, c'est ma première ici à Haïti, je ne vais pas tout le Chili, parce que c'est définitif. Philippe Masséa, Radio Méga. 5h50. Et voilà, merci en pile avec collaborateur Jean-Philippe Masséa, Jean Connel Denis.
déportation compatriotes haïtiens yo yo c'est plusieurs milliers que autorité américaine yo a pimpé voyer banon par boy site Jean-Marcin Soudil là vraiment gouvernement américain déjà localisé plus passé 20 000 migrants haïtiens qui a rassemblé dans nord pays Colombie et 3 000 pour dans Pérou et 1500 l'autre dans Panama selon NBC News bien département sécurité États-Unis lui-même dit bon yo même tout y a regardé d'essayer des images côté plusieurs milliers migrants haïtiens yo même cap chercher rentrer dans pays États-Unis. Gagné vice-président États-Unis Kamala Harris qui dit li touché vraiment ça troublé li et li senti li édié la regarder situation migrants haïtiens dans frontière américano-mexicaine non. Mardi qui était 20 septembre 2021, ancien procureur californien exigeait une enquête approfondie pour mener pour capable mener pour capable vraiment garder dans qui condition et façon image qui a circulé sur toutes les réseaux sociaux à travers le monde façon que un bien et des policiers et a couru bien maltraité des migrants puis faut la dénoncer haïtien c'est déclaré sur ça que Kamala Harris même il fait connait côté qui fait connait vraiment ça troublé ça fait triste et gagnant Nancy et Pelosi qui lui même c'est président de chambre représentant États-Unis qui dit que situation ça li est troublante les l'a regardé réaction l'a regardé situation migrants c'est là yo réaction ça yo même pas suspendre venir tribo par rapport après image côté que qui est ouais soldats sous cheval cap avec lance cap courir des plusieurs migrants parmi les haïtiens sur frontière américano-mexicaine qui montrait que agent patrouille frontalière sous cheval cap bloqué migrants majorité des haïtiens agent fait usage lance pour capable poser la patte sur migrants yo et pour intimider autour en réaction des plusieurs pays et organismes internationaux qui montrait que yo monté dans niveau et la presse yo écrit pour condamner un acte pareil mais vice président Kamala Harris, présidente des États-Unis, Kamala Harris, beaucoup de parle, li et fait qu'on est. Moi, je suis profondément troublé et ça m'a gardé là, sujet, situation, et côté ensemble de policiers sous cheval, à lancer là, ça pour capable, grand migrant, yo, ma jeté dans les haïtiens, ça, li vraiment terrible, li horrible, li inhumain. C'est ça, Kamala Harris, a lui-même li déclaré, un journaliste. Li exige une enquête approfondie exactement sur ce qui passe dans la frontière américano-mexicaine. Li trouve que ce qui passe là, li inhumain, li est pas vraiment normal dans genre que police sa yo a traité et migrant yo. Li senti que li touché par ça que précisé selon vice-président États-Unis qui a annoncé que il a discuté avec un secrétaire d'État sécurité intérieure États-Unis Mayorkas pour regarder dans quel niveau capable gérer et dossier ça de ces migrants yo puis bien côté que il fait connait que cellule là de base qui est capable essayer monter là dans tout le monde pour garder comment yo capable gérer et situation ça puisque li important pour yo garder vraiment façon et déportation mais façon à traiter mais migrants ainsi là surtout en pile là qui c'est haïtien. Nous avons venu toujours avec notre information, nous allons aller là avec notre réaction, mais on a gardé avec Chaine Haïtienne. Chaine Haïtienne, qui est une responsable collectif Défenseur Plus, qui critique le comportement autorité américaine qui décide d'expulser ces migrants haïtiens dans la loi. Défenseur Plus reconnaît la situation ça difficile pour un pays géré, mais le gouvernement américain a considéré qu'un migrant qui a un papier de l'autre pays, tant que résident Chili, Brésil, est capable de déporter dans le pays résident. Ou li yo vin mete yon Haïti ki deja nan difficulté. Chaina Etienne tenan micro collaborateur nou Jean-Philippe Masser. 5h55. Déjà convention américaine des droits de l'homme interdit expulsion collectif dans article 22.9 li. État qui fait partie de qui membre organisation des États américains, yo fait silence et par rapport avec décision que l'État américain ont pris jeudi a et yo commencé expulser moun yo vraiment. Donc ça nous vraiment déplorer ça qu'a fait là, nous vraiment pas aller dans sens ça qu'a fait jeudi a et là nous quitter au niveau régional pour nous atterrir au niveau international, même au commissaire il y a des droits de l'homme, il y a pas fait aucune intervention, il y a pas il aurait été en silence sur quitter décision ça sorti seulement de état américain, il a quitté et américain yo a géré et problème non qui dépassé yo parce que nous conscient que problème n'a dépassé yo, nous pas mandé yo pour yo tacle tout problème Haïti mettez sous deux yo. Mais en même temps tout et il y a des décisions qui était capran qui pas aller dans expulsion et collectif là qui fait seule décision que yo prend, il y a pile dans Haïti ça yo qui papier qui résident dans notre pays.
vu que yo connais situation Haïti à vivre journée jeudi, il y a des cas des figures qui prend pour faire en sorte que des monde qui retournent dans pays que côté que des papiers légal pour eux. Faire en sorte tout que et mounio pas obligé et expulser massivement venir dans danger que yo t'est sorti là-dedans parce que yo pas ba yo aucun autre assistance, yo pas passer devant juge alors que étranger sous territoire américain, nous quoi une loi qui dit yo pas déporter yo sans yo pas passer devant juge, ça yo pas ba yo une assistance, mais ça pas le cas pour Haïtien ça yo on est expulsé yo massivement et après on passe un paquet misère tout sous frontière là qui pas gain aucun rapport avec droit monde et que nous même nous condamnons ça. Donc, nous croyons que si tout bien haïtien qui sont en pile là dans ce Chili, il y a des facilités de retourner au Chili au lieu de la guerre là. Justement, parce que la vie est en danger, les clair pour tout, les clair pour les Américains et tout, ils connaissent ça n'a passé, misère n'a passé en ce qui a trait avec la sécurité. Donc, c'est parce que dans la même convention, ça, dans l'article 22.8, il dit aussi que nous n'avons pas de liberté individuelle. Nous n'avons pas de liberté pour nous circuler normalement dans le pays, dans le territoire, parce que nous avons des gangs à droite, à gauche, tout côté. Donc, nous avons quitté le pays parce que la vie était en danger, parce que nous avons une extrême misère, parce que nous avons une crise politique qui vient engendrer toute qualité de problèmes. Nous n'avons pas de première décision prise, c'est de mettre dans le même problème que nous avons gagné. Donc, nous avons une autre mesure, parce que c'est une situation qui est vraiment spéciale. Ce n'est pas chaque jour et 10 000, plus que 10 000 personnes atterrissent aux frontières qui besoin envahir un espace, un territoire qui n'est pas pour eux. Donc le fait que la situation est vraiment spéciale, il y a des décisions qui sont vraiment spéciales qui sont prises en un moment. Je nous dis, par exemple, permettre que les gens retournent dans le pays que vous avez vivre là. Ce n'est pas permettre que vous retournent dans le danger côté vous sortir. Des fois, c'est plus proposé commission interaméricaine trois mois à visiter migrants sous frontière pour discuter avec autorité américaine. L'autre bord, chaîne haïtienne a plaidé en faveur d'un support international pour aider à résoudre problèmes sociaux aussi tout insécurité pour empêcher jeunes de continuer à quitter le pays. En côté, chaîne haïtienne, toujours dans le micro, Jean-Philippe Massé. Nous connaissons la commission interaméricaine des droits de l'homme, il y a pouvoir pour lui faire visite sous frontière là. Nous connaissons ça, nous connaissons que lui a visité et de là par rapport à la visite que vous avez fait, vous avez des recommandations par l'État américain. Parce que si vous faites des recommandations par l'État américain, américain pas seulement en face à Haïti, américain en face avec plusieurs États qui font qui membres au EA. Donc le fait que les face avec plusieurs États qui membres au EA, ça te permet de compatible avec le problème haïtien à supporter qui fait retrouver aux frontières là. Et puis nous avons tout et des rapporteurs spéciaux de TK délégués sur ce territoire-là, des rapporteurs spéciaux dans le côté droit de Timoun, dans le côté droit de femmes, dans le côté droit migrants, et aller sur place avec. Et ça va circuler sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas même du tout. Ils sont en réalité en face de des décisions qui sont prises en faveur de migrants. Sur le plan national, autorité haïtienne, nous ne parlons pas de l'État haïtien, bien que nous connaissons, nous avons l'État, je veux dire, l'État, même aller devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour l'État et américain, il était qu'à aller. Mais le fait que nous ne payons pas l'État, vraiment, puisque nous ne payons pas le pouvoir, nous ne payons pas l'État, c'est qu'à aller. Mais quand même, nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui portent bonnet autorité étatique. Là, toujours, par exemple, nous avons des premiers ministres, nous avons des ministres des Affaires étrangères, tout. Ils ont même des ministres des Affaires étrangères, ils étaient qu'à plus et prendre ça à cœur pour lui entrer en contact avec l'État américain. Nous gagnons et ministre PM Henri lui-même, le fait que c'est lui-même qui sous-tête pouvoir, qui sous-tête pays, le fait que font des problèmes qui mènent Haïtien à quitter le pays, de problèmes qu'on pour résoudre, par exemple insécurité. C'est une insécurité qui vient faire que nous priorisons. Nous focus sur lui qui vient faire que nous avons sur tout le problème pays à confronter, sur toute la 6 heures. Nous poursuivons avec information toujours sous même dossier ça gain secteur démocratique ak populaire qui au même tout réagi sous pile déportation qui a fait yo secteur démocratique ak populaire choqué en pile devant les conditions indignité compatriotes haïtiens vivent sous frontière États-Unis avec Mexique. Secteur démocratique populaire choqué. Je nous donne devant situation ça. Secteur démocratique pour la mode des gouvernements défait la toute peuple haïtien pour faire solidarité ensemble avec ses frères Sayo qui n'ont une situation spéciale.
Situation ça c'est un résultat mauvaise gestion 10 l'année régime PHTK dans tête pays pendant 10 l'année qui saute passé au li pas un secret pour personne avec présence régime PHTK dans tête pays. Haïti fait face à une crise qui gagne plusieurs dimensions. Li poko jan mwè nan l'histoire politique, sociale, économique, sanitaire, migratoire et institutionnelle. Pendant la période, ça a plus passé 500 000 Haïtiens quitté Haïti pour aller Chili, Brésil et l'autre pays encore en Amérique là pour aller chercher la vie meilleure. Dans la majorité de ça, c'est chercher la vie, détruire la vie. Malgré situation sociale et économique peu haïtien pas facile, un petit pays a pas jam qu'on a couru quitter pays Haïti pas pile ak pa paquet nan façon ça. Secteur démocratique populaire vle rappeler nous l'opinion nationale ou internationale vraie raison qui pousse un pile haïtien à quitter pays, c'est conséquence absence plan ak programme relèvement après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. C'est tout conséquence 10 l'année corruption, insécurité, instabilité, gaspillage, fonds pétro-caribé, gangstérisation avec mauvaise gouvernance, régime PHTK. Jodi a, peuple haïtien ba yon gros crise humanitaire sans pareil. Dans sens ça, SDP a lancé un cri pour mander administration Biden à traiter dossier haïtien yo avec gouvernement défait Haïti en respect la loi avec convention yo. Yon façon pour droit c'est ak frais yo respecté pour raison ça nous mandé pour autorité pays États-Unis yo camper sous déportation pour garder dossier yo jan la loi principe humanitaire mandé ça et sous regard promesse président Biden te fait ressortir ça haïtien yo. Pour finir, secteur démocratique populaire renouvelle engagement pour continuer bataille pour venir chimer libération nan qui doit conduire peuple dans un système peuple dans un système qui offre opportunité pour tout le monde combat pour bien-être avec droit grand monde peuple haïtien pas camper dans route secteur démocratique populaire profiter période date 20 septembre ça qui marqué nous fait référence avec 20 septembre lundi qui s'est passé à qui a été marqué célébration 263e l'année naissance papa nation Père Jean-Jacques Dessalines pour le faire toute force nation songer dans l'esprit ancêtre yo moment arrivé tout bon vrai pour nous mettre tête nous ensemble pour nous décider ça n'a faire pays pour permettre la vie recommencer bonne journée pour chaque petite terre. Haïti c'est pour nous, nous avons obligation pour nous sauver l'Haïti pas péri pour secteur démocratique et populaire mon qui vient c'est sénateur Rika Pierre, sénateur Nenel Kassi, ingénieur Marjorie Michel, maître André Michel et député André Ulrich Saint-Cyr, maître Axène Joseph avec député Joël Costumé. Nous avons toujours été dans le même dossier ça là, nous avons regardé avec OPC, Office de protection citoyen, qui lui-même exprimait les préoccupations là, face à la situation de plusieurs milliers de compatriotes haïtiens qui trouvaient dans la frontière mexico-américaine, plus précisément sous pont del Rio, migrants saillants qui étaient volontaires pour ne pas rentrer sur le territoire américain, et mes côtés que l'autorité américaine a posé la patrie à Pimpe ou Voye Bano en Haïti. OPC lui demandé avec la chancellerie haïtienne pour engager Sandrélé. Yon discussion, yon dialogue avec autorité mexicaine yon et puis autorité américaine yon. OPC dit l'on note ça que migrants qui arrivent en Haïti a qui fait objet de plusieurs violations droit monde, notamment non-respect sans l'intégrité physique, morale, psychologique, catégorie sociale, monde ça qui est très vulnérable, notamment si monde qui est petit là, juste si monde 1 an, 2 ans, mais et puis femme enceinte, yo, et bien droit, il estime que droit yo violé et yo t'a dû jeune sans un traitement spécial. Puis loin, OPC l'y a ajouté pour dire que compatriotes qui encore dans zone frontière mexico-américaine, qui vivent, on a parlé à la situation très est difficile, une situation inhumaine qui abandonnée, qui pas une support, qui pas accès avec question de l'eau potable, mais qui pas une qui pas une manger, qui pas une soins sanitaires et violation physique élémentaire ça protection migrants adopté par États-Unis ça veut dire c'est zéro, yo pas joindre ça du tout. OPC souligne que une cause situation ça, il considère comme une tragédie, il vraiment c'est une mauvaise gouvernance qui dans pays a depuis plusieurs années, ça veut dire c'est dirigé jeune nous depuis plusieurs années mauvaise gouvernance qui la cause aujourd'hui là en pile haïtien obligé quitter pays après humiliation dans un pays étranger et ça qui fait je dis à la charge qui passait si condition la vie mounion a pas détérioré
et pas de raison comme tu es capable de dire que nous vivons. Irresponsabilité, autorité que nous avons actuellement, dans la question de protection en droit monde, dans la question de droit économique, social et culturel, c'est zéro. OPC recommandé avec, j'en dédié avec chancelier haïtienne pour engager, pour parler, un dialogue pour nous dire bien avec autorité américaine, mexicaine, pour capable de trouver ça un moratoire en faveur de plusieurs milliers de compatriotes haïtiens, surtout compatriotes et milliers, ou bien migrants, mais précisément les compatriotes haïtiens qui exposaient avec question de déportation, ça que l'autorité américaine même a fait depuis dimanche passé. On peut se demander également tout avec instance qui concerne pour faciliter réinsertion socio-économique et moun sa ok jodi à la qui a pimpé voué banon en Haïti. N'avance toujours avec la même question ça, gen au commissariat des Nations Unies droit moun nan qui est Michel Bachelet lui-même a dirigé qui nan tête li. Il dit qu'il est préoccupé par la façon qu'il y a voyé même toute quantité haïtienne ça yo et pas bon ici selon Michel Bachelet. Et lui indiqué pour dire que lui senti que pas gè sa délai une évaluation individuelle qui fait de cas chaque grain migrant ça yo. Et bien Michel Bachelet qui souhaitait autorité américaine yo même yo garder dans qui niveau capable fait travail d'évaluation individuelle chaque grain migrant haïtien y a voyé pas bon ici même l'autre tour y a voyé dans l'autre pays yo, tout selon ça lui-même. Il est toujours avec un gros commissaire ONU pour réfugiés qui c'est Filippo Grandi qui a affirmé que mardi pour qui donc mardi États-Unis pas respecté normes internationales avec expulsion et j'ai avoué pile haïtien yo vini en Haïti et qui trouve aujourd'hui à la sous pont mais en bas pont international ville del Rio dans pays et Texas. Ça lui dit mais gros commissaire Nations Unies pour question réfugiés question moun sa yo qui c'est Filippo Grandi lui dit que li trouvé que pas gen sal rele respect norme nan façon que ça la loi dit nan kasa li tout li mandé avec autorité américaine yo pour yo faire ça nan respect ça la loi dit Jean pour yo faire. Gagne toujours dossier ça pour moi c'est ça nous qu'elle garder gagne déclaration département sécurité intérieure les mêmes li fait après que on t'a regardé image à côté et plusieurs policiers sous cheval on a plusieurs migrants parmi eux et mais majorité dans océan haïtien et bien département intérieur dans pays États-Unis les mêmes décidé réagir sur ça. DHS là li dit pas tolérer abus que a fait contre migrants ça et côté regardez dans image yo garde yo qui yo même et sous cheval a lancé lance pour capable bien arrêter migrants. Bureau responsabilité professionnelle douane ak patrouille frontalière a enquêté sur ça pour garder vraiment dans qui niveau façon que policier ça yo tap traiter migrants li si la yo. Gagné de l'autre côté secrétaire sécurité intérieure Mario Caps qui lui-même lui ordonné personnellement que bureau a qui responsabilité professionnelle li pour placer mais pour capable exactement prendre toute responsabilité pour capable assurer que ça qu'a fait la façon que il y a prend migrant yo il a fait traitement à baïwa pour garder dans qui façon capable faire ça dans respect la loi côté le fait qu'on est là bien DHS là l'exécuter ça les responsabilités conformément politique et formation applicable question valeur département secrétaire Mario Cassa qui lui-même était rendu dans Del Rio hier mardi il était témoin selon ça dit travail mais façon que mais il a travaillé qualifié son travail extraordinaire, elle arrivait façon le que les aimés et agents de travail personnel et des HSE de travail. Image qui tout le monde a regardé, qui a fait la une sur toutes les réseaux sociaux dans le monde, li vraiment troublé, li triste pour yo. Et pour finir, il y a une enquête qui ouvert déjà, une enquête complète pour au capable, un bien, je viens tout coupable et punir tout coupable et garder tout, mesures disciplinaires appropriées qu'apprend contre ensemble de policiers sur leur comportement. Yo. Il est engagé pour traiter migrants yo dans une façon qui normale moi bah moi insécuritaire ordonné que pour permettre que une façon qui a traité yo pour que ça fait en bonne et due forme pas de bah garantie.